Dag allemaal, welkom op deze persconferentie voor de wedstrijd van zondag op Antwerp. Zowel onze coach Karim Bellossin als Jari Verscharen zijn hier om op jullie vragen te antwoorden. Is er een probleem? Een beetje op schade. Bonjour à tous, bienvenue à la conférence de presse pour le match dimanche contre Anvers. Le coach Karim Bellossin est ici et notre joueur Jari Verscharen, espoir de l'année. On va commencer avec les questions pour le coach. Jullie vragen voor de coach, alstublieft. Niemand? Ja, Pieter-Jan. Bonjour coach, il y a des incertitudes ou des blessés pour dimanche? Bonjour. Oui, il y a donc les habituels absents pour le moment, c'est-à-dire Landry Di Matta et Zakaria Bakali. Et Cara, une semaine aménagée, on verra demain si on peut le récupérer ou pas. Et Obradovic qui a sa saison est terminée. De vraag was wat er gekwetst te zijn. Het antwoord van de coach, Bakali en Di Matta die al langer uit zijn. En Cara is onzeker, waarbij dat we morgen gaan zien hoe het verder evolueert. En Obradovic waarbij het seizoen voorbij is. Bonjour coach. Est-ce que c'est un plaisir particulier de travailler avec un jeune garçon comme Jari? Et je suppose qu'il est très réceptif. C'est très facile de travailler avec lui, je suppose. Bonjour. Oui, c'est sûr. J'espère surtout pour lui que c'est très facile de travailler avec moi. Ça, c'est aussi important. Mais il est clair que de mon côté, oui, c'est clair que travailler avec Jari, c'est quelque chose de pas de facile parce que rien n'est facile en football, mais en tout cas de très agréable parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il écoute ce qu'on lui dit, il fait ce qu'on lui dit et il le fait bien, donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir et voilà, grâce à ça il fait évoluer l'équipe, il évolue lui-même, donc j'espère que ça va continuer comme ça, mais c'est clair que travailler avec Jari est un vrai plaisir, Jari et d'autres jeunes bien entendu. De vraag coach, is het un plaisir met jonge jongens zoals Jari te werken? De coach heeft geantwoord dat het inderdaad aangenaam is om met Jari te werken. Het is iemand die ten eerste luistert en ook goed uitvoert wat er gevraagd wordt. En ondertussen helpt hij de ploeg mee evolueren en evolueert hij zelf ook. Ja. Bonjour. Bonjour. Un petit mot suite à la première victoire dans ces playoffs. Est-ce que ça a complètement changé l'humeur en semaine? Est-ce que ça a vraiment fait un bien fou? Ou est-ce que vous vous dites que c'est peut-être uniquement le début de quelque chose pour bien terminer ces playoffs? Je pense que dans ce que vous dites un petit peu tout. C'est-à-dire que c'est clair que ça a fait du bien et qu'on a vu en début de semaine des visages heureux, des sourires et des gars qui ont envie de venir au travail. Même si je dois dire depuis ces dernières semaines, malgré les résultats, on restait quand même un groupe qui vivait plutôt bien. Après, comme vous dites, en tout cas pour moi, et c'est le message que j'ai voulu faire passer au groupe cette semaine, c'est que ça restait juste une marche, une première marche, qu'on revenait de loin, mais qu'on avait fait juste un premier pas et qu'on devait, et on se devait, pour le groupe, pour le club, pour tout le monde, de continuer sur cette lancée avec la même envie et se servir de cette victoire pour, je l'espère, continuer. De vraag was na de eerste overwinning of dat het veel veranderd heeft binnen de groep, ook naar de goede sfeer en het humeur. De coach heeft gezegd dat hij inderdaad die eerste overwinning ervoor gezorgd heeft dat hij heel veel blije gezichten gezien heeft. Maar ondanks de moeilijke reeks die we hadden neergezet, dat er altijd wel een goede sfeer binnen de groep was. Hij heeft ook aan de groep duidelijk gemaakt dat die eerste overwinning een eerste stap is en dat we verder moeten doen en verder evolueren. Bonjour Karim, tu crois encore que la quatrième place est possible parce que ce sera peut-être difficile, c'est aussi dépendant du standard, bien sûr. Oui, c'est clair qu'il va falloir beaucoup de paramètres pour pouvoir accéder à cette quatrième place, notamment nous déjà gagner nos matchs, être très bons, et on va être aussi dépendant bien entendu des résultats des autres. Maintenant, nous de toute façon, ce qu'on doit faire c'est prendre match par match et commencer par essayer de gagner les nôtres. Et après, on verra bien ce qui se passe à la fin. On doit être à la fois, on doit être rêveur et vouloir aller vers le haut toujours. À la fois, bien entendu, on sait que ça va être difficile, mais
On se bat chaque jour et on se battra à chaque match pour essayer d'accrocher le plus possible de points et se rapprocher de cette place. Et on fera les comptes lors de la dernière journée, à la fin du dernier match de la dernière journée. De vraag was of we nog geloven in die vierde plaats, ondanks dat we rekening moeten houden met andere ploegen en andere resultaten. De coach heeft geantwoord dat we inderdaad met vele andere dingen en andere zaken rekening moeten houden, zoals de resultaten van de andere clubs boven ons. Maar we bekijken het wedstrijd per wedstrijd. We moeten eerst en vooral onze wedstrijden winnen, maar zolang dat het mogelijk is, moeten we erin blijven geloven en ervoor vechten. Geen vragen voor de coach? Ja. Est-ce que c'était un soulagement de voir qu'Embo Kany prenait sa carte jaune et était donc suspendu pour ce match-ci parce qu'il est très important pour l'Antwerp, hein? C'est surtout un soulagement d'avoir vu le Sporting d'Anderlecht réagir le dernier match et montrer à tout le monde que même à 10 contre 11, on pouvait ensemble réaliser des bonnes choses parce que la volonté et l'envie dans un groupe, ça pouvait renverser des montagnes. Je pense qu'on l'a vu aussi en Ligue des Champions cette semaine. Après, par rapport à Embo Kany, c'est clair que c'est un pion important d'Antwerp, mais bon, après, je veux dire, ça ne change pas le fait que nous, on a envie de faire quelque chose ensemble. Et si Embo Kany manque à l'Antwerp, à vrai dire, c'est un petit peu leur problème. Je n'ai pas très beaucoup fait attention à ça, j'ai surtout fait attention à notre équipe, nos joueurs et à ce que nous, on voudrait faire ensemble. Avec tout le respect, bien entendu, que j'ai pour Embo Kany, qui est un super joueur. De vraag was of het een opluchting is dat Embo Kany geschorst is voor de wedstrijd zondag. De coach heeft geantwoord dat het vooral een opluchting was om de prestatie van zijn eigen team te zien en dan nog met 10 man van vorige zondag de overwinning tegen Standaard. Het feit dat Embo Kany er niet bij is, verandert op zich niet heel veel. Wij willen naar daar gaan om te winnen. Wat niet wegneemt dat Embo Kany natuurlijk een heel goede speler is. Dan gaan we over naar de vragen voor Yari. Les questions pour Yari. Ja, Jurgen, ja, doe maar. Ja, laat ons beginnen met school. Hoe is het met de examens? Verloopt alles goed tot nu op dit moment? Ja, de examens verlopen goed. Ik heb me goed kunnen voorbereiden. En ik denk dat ik wel goede resultaten ga halen. Het is nog niet gedaan voor mij, dus ik ga mij blijven moeten concentreren op school. En voilà, voorlopig lukt die combinatie wel. Examens tot 6 juni. La question, Yari, comment ça se passe à l'école avec les examens? Yari a répondu que ça se passe bien, il s'est bien préparé et qu'il pense qu'il va avoir de bons résultats. Et que la combinaison école-foot, pour l'instant, ça se passe bien. Yari, is dat combineerbaar, makkelijk combineerbaar? Of zit je echt voltijds bezig met studeren, voetballen? Ja, nee, het is zeker niet gemakkelijk, omdat ik mijn focus op twee verschillende zaken moet leggen. En ja, op het ene moment moet ik mij 100% concentreren op voetbal. En dan, wanneer dat gedaan is, direct op een ander vlak mij concentreren. Dat is niet gemakkelijk, maar voorlopig word ik geholpen door heel veel mensen, zowel binnen de club als buiten de club. En voilà, dat gaat voorlopig goed. La question, est-ce que c'est facile de te focaliser sur l'école et ou la combinaison avec l'école et le foot? Yari a répondu que c'est pas facile de se focaliser sur deux choses. Tu passes d'une chose à l'autre, mais entre-temps, il a beaucoup d'aide de beaucoup de gens en dehors du club et autour du club. Excuse-moi. Ja, had je verwacht dat je bij de profvoetbal van het jaar beste belofte zou zijn en dat je 143 punten voorsprong zou hebben op de nummer 2, Sander Bergen? Dat wil zeggen dat je echt wel hoog aangeschreven staat ook bij de andere jongens, hè, andere spelers van eerste klasse. Nee, dat ik misschien niet verwacht op voorhand. Ik dacht dat echt wel zware concurrentie ging zijn. En nee, ik had zeker niet verwacht dat ik zo hoog ging eindigen. En ja, voilà, ik ben het nu gewonnen en ik ben daar heel blij mee. En ik hoop dat ik nog verder kan doen zoals ik nu bezig ben. La question, est-ce que tu avais attendu ou espéré d'être l'espoir de l'année et avec autant d'écart sur le deuxième dans le classement Berg? Yari a répondu qu'il n'avait pas du tout attendu ça et qu'il avait attendu plus de concurrence. Non, tout le monde.
Jari, moet je soms zelf eens in je wang kruipen van hoe snel het gaat, van, oh ja, van de belofte, maar zoveel aandacht die er nu voor jou is, nou, vast in de eerste ploeg, alles wat er gebeurt? Ja, dus, er is heel veel veranderd voor mij, omdat ja, die aandacht is natuurlijk voor mij gestegen enzovoort, en daar moest ik mij wel in het begin een beetje aan aanpassen, maar er zijn veel mensen die me daarbij helpen en om mij... om ja, mijn voetjes op de grond te houden en voilà, ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En ik denk wel dat iedereen content is hoe ik daarmee omga. La question était, Jari, c'est comme dans un rêve de passer de joueur d'espoir comme en titulaire dans l'équipe première d'Anderlecht. Yari a répondu que c'est vrai qu'il ne l'avait pas attendu en début de saison, mais il y a beaucoup de gens et des personnes qui l'aident à garder les pieds sur terre et qui l'espèrent continuer comme ça. Yari, je treedt nu eigenlijk in de voetsporen van enkele grootheden van Anderlecht, Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Yuri Tielemans. Sta je daar soms bij stil? Opnieuw, ik heb er vaak niet over staan. Dat je nu in de voetsporen treedt van jongens als Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Yuri Tielemans, sta je daar soms bij stil? Hoe het gaat voor jou? Ja, voor mij is het ook een beetje moeilijk om te geloven dat ik misschien wel in de voetsporen kan treden zoals grote namen als Tielemans en compagnie. Maar ik probeer me vooral nu te focussen op hetgene wat er nu gebeurt en hoe ik nu aan het presteren ben. En ik denk dat we dan wel verder gaan zien hoe dat ik evolueer naar de toekomst toe. La question était, est-ce que tu te réalises que tu suis dans les traces de grands joueurs comme Kompany, Tielemans? Et Yari a répondu qu'il ne s'était pas attendu à pouvoir être dans cette alignée de grands joueurs comme Kompany et Tielemans, mais qu'il essaye surtout de faire bien et de réaliser des bonnes prestations et de continuer à évoluer. Jari, hoe zit het met de druk en de vermoeidheid? Want de opeenvolging van matchen, het is in eerste seizoen, de druk, want je moet eigenlijk ook een beetje de ploeg dragen. Voel je die verantwoordelijkheid? Weegt dat op jou? We hebben een indruk van niet, maar je bent nog maar 17 natuurlijk. Ja, jawel, die voel ik wel. Misschien laat ik dat niet zo hard uitstralen, maar natuurlijk voel ik dat wel. Met zowel die combinatie met school en met voetbal is dat voor mij niet gemakkelijk. Maar zodra ik op het veld ben, probeer ik mij... Ja, alleen te focussen op de voetbal en natuurlijk is er druk, maar daar probeer ik zo goed mogelijk mee om te gaan. La question était, est-ce que tu ressens cette pression et la fatigue, parce que ça n'a pas été évident, et aussi cette responsabilité à ton âge? Yari a dit que, bien sûr, il ressent ça, et ce n'est pas toujours facile, mais dès qu'il est sur le terrain, il se focalise sur ses prestations et il essaye de faire au mieux. Heb je intussen je goal herbezien en snap je dat de baas van de scheidsrechter zegt van eigenlijk had dat moeten afgekeurd worden? Ja, ik denk het wel. Ik heb het beeld nog vaak gezien na de wedstrijd en ja, de bal komt inderdaad op mijn hand. Dus ja, ik denk dat iedereen wel weet als de bal op de hand komt dat het fout is. Dus voilà, natuurlijk geef ik dat toe. La question, est-ce que tu as revu ton but et est-ce que tu comprends que tout le monde dit que le but aurait dû être refusé? Yari a répondu qu'il a revu et que effectivement le ballon touche sa main. Et à ce moment-là, c'est sûr que normalement le but aurait dû être refusé. Yari, het is een moeilijk seizoen voor Anderlecht, maar is dat voor jou misschien net een zegen geweest om direct zoveel te kunnen spelen als het in de tijd van Zetterberg was misschien, dan zou een jongen van 17 misschien niet zoveel spelen. Ja, het is nu een moeilijke periode voor Anderlecht en ik heb nu heel veel kansen gekregen en ik blijf ook telkens spelen. Maar voor mij is het natuurlijk ook het belangrijkste dat we presteren als ploeg. En nu heb ik misschien het voordeel dat ik daar een beetje beter uitkom omdat ik nog maar 17 jaar ben en eigenlijk vrij goed presteer. Maar voor mij is het echt wel heel belangrijk dat we collectief ook wel prestaties leveren. La question, Yari, c'est une saison difficile. Est-ce que tu penses que c'est pour ça que c'est plus facile pour un jeune joueur d'avoir sa chance dans l'équipe première? Parce qu'à l'époque de Zetterberg, ça serait peut-être plus difficile.
Yari a dit qu'il se réalise que ça peut peut-être avoir... comment on dit ça? Une incidence. Ou un impact du fait qu'un jeune joueur a plus de chances de jouer dans des moments difficiles d'une saison. Il sait qu'il n'a que 17 ans, mais le plus important, c'est que le collectif évolue et on essaie de faire de bonnes prestations. Ja, ik denk dat je zeer graag gezien bent binnen de kleedkamer ook. Wie zijn de jongens die u het meest begeleiden? Is dat vooral Sven Kums als kapitein? Ja, Sven is een heel goede vriend van mij die mij heel veel helpt. Ook niet alleen op training zelf, maar ook gewoon buitenaf is dat een goede vriend van mij. En ik denk dat iedereen mij wel steunt, omdat ze weten dat ik een jonge jongen ben en ik nog heel veel moet leren. Daar probeer ik zoveel mogelijk naar te luisteren, naar die volwassenen spelers zoals Sven. La question, Yari, tu es bien vu dans le vestiaire. Est-ce qu'il y a des joueurs particuliers qui t'aident dans le vestiaire, comme Sven Kums? Yari a répondu que certainement Sven, parce qu'ils s'entendent très très bien avec Sven, c'est comme un ami. Mais pour le reste, tous les autres joueurs essayent de l'aider et de lui donner des conseils. Laatste vraag, dernière question. Yari, besef je hoe dat je op handen gedragen wordt door de supporters? En ja, wat doet dat in je normale leven? Word je veel aangesproken? Ik voel wel dat de supporters me heel graag hebben en daar ben ik heel blij om. Ik denk dat de supporters ons elke match toch wel blijven aanmoedigen. En niet enkel voor mij, maar voor heel de club, heel de ploeg, denk ik. Voilà. Dat is goed dat de supporters mij elke keer steunen en daar ben ik blij om. Op straat, ja, als ik bijvoorbeeld van school naar internaat kom, dan voel ik wel die aandacht. En ja, dat is vrij tof toch. La question, Yari, est-ce que tu te réalises que les supporters t'adorent et qu'est-ce que ça fait pour un jeune joueur d'avoir toute cette attention? Yari a répondu qu'il le ressent. Et qu'il ressent surtout aussi que les supporters le soutiennent l'équipe. Et dans la rue, il y a beaucoup de gens qui lui en parlent. Goed, dankjewel voor jullie komst. Tot zondag. À dimanche. Merci.